Toi, tu as une question? Est-ce que vous travaillez la nuit? La nuit, non. Je dors, comme vous. J'adore écouter le bruit des oiseaux et je dois dire ici, vous en avez beaucoup, vous avez de la chance. Je m'appelle Adèle, je suis née en Belgique. Adèle Renault comme la voiture. Une poule? Non, c'est une perdrix. C'est une perdrix rouge. Vous en avez ici dans la région, mais elles sont un peu en voie de disparition. Ben, j'ai commencé à dessiner quand j'étais toute petite. Peindre avec l'aérosol, ça fait une vingtaine d'années. Mais je dessinais déjà avant avec des marqueurs, des crayons, des pinceaux. Parce que j'aime bien peindre la réalité. Il y a déjà tellement de belles choses autour de nous que je ne peins pas des choses imaginaires. En général, je choisis ce que je peins, mais ici, comme c'est un projet en collaboration avec le mur de Dubon et la région, ben, à poser, j'étais d'accord, bien sûr. Une fois, j'ai fait 20 portraits du même pigeon. Je pense que j'aime beaucoup les pigeons. Et c'est surtout parce que j'habitais en ville et j'ai peint beaucoup de murs en ville. Et qu'en ville, ben, il n'y a pas beaucoup d'autres oiseaux que les pigeons. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont jolis, ils sont expressifs les oiseaux. J'ai déjà pas d'autres animaux, j'ai pas beaucoup d'autres oiseaux aussi. Je préfère peindre des choses vivantes. Voilà, et tu t'approches tout doucement. Le texte multiplié par 50. Un oiseau. Alors, pourquoi c'est pas un oiseau? Au-dessus du bec, mais elle a des poils noirs, enfin des plumes noires, comme un bandeau. En général, je passe sur des murs un peu plus récents que les murs que vous avez ici, qui sont... J'ai des écouteurs et j'écoute de la musique parce que la machine elle a fait du bruit, la nacelle. La plus haute, c'était en Corée du Sud, mais la plus grande, c'était à Los Angeles. Ah, j'ai toujours le micro, mais je sais. Attends, je vais leur donner des bombes. Et j'essaye à l'école. Ça... Noir, peut-être.